Salut salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure. Une aventure exotique et nous sommes sur Far Cry 5. Bienvenue en Amérique, j'en avais proposé une vidéo il y a 6 mois mais ça y est, on l'a à la maison, on l'a à domicile. Une nouvelle aventure exotique, ça fait toujours plaisir. Préparez-vous, je pense que ça va swinguer dans les chaumières. Voici donc le premier épisode d'une nouvelle série qui promet d'être incroyable. C'est parti pour une nouvelle partie, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour la toute première fois, nous sommes sur PC pour vous proposer le meilleur de Far Cry, le plus beau de Far Cry surtout. Je dois choisir entre femme ou homme, ok, très bien. Bah écoutez, on va prendre homme parce que je suis un homme, hein, il me semble, en tout cas aux dernières nouvelles. Votre choix est définitif et ne pourra plus être modifié ultérieurement, aucun souci. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, tout a si bonjour à toi, frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. C'est encore loin, juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed, faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brad, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. Whitehorse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a... malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Pat ! Les tarés, c'est une trouvaille à vous ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. C'est juste en dessous de nous. Oh, nom de Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance.
Allez, c'est parti. Osnour. Pratt, bien compris. Nationale s'il le faut. À vous. Ok, shérif. Je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Dans l'église, suivez-moi. Ouvre l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Hé, par ici. Allez, on y va les gars, j'ai donc activé les sous-titres. Modifier ma sensibilité, étant donné qu'encore une fois nous sommes sur PC, ça fait que vous verrez, normalement j'aurai des moves beaucoup plus incroyables. Regardez, tu vois, ça va très très vite. Là ils me prennent pour un fou, mais ils sont encore plus fous, ne l'oubliez pas. Donc, pour récapituler un peu les choses... Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. C'est une dictature, hein, clairement c'est une dictature aux États-Unis d'Amérique. J'adore l'Amérique. Regardez-moi bien, bande de fous. Je suis américain. Que Jésus de Nazareth bénisse l'Amérique, bien évidemment. Je reviendrai, je vais tous vous brûler. Vous inquiétez pas, vous me voyez? Tu me vois bien, toi, petit con, là? Qui ressemble à Brad Pitt, Miskina? Je reviendrai, les gars. Je vais tous vous arracher. Vous deux aussi, là, j'en ai à la foutre, même si vous avez rien à voir dans l'histoire. On est parti, les gars. On rentre dans l'église. Oh là là, ça va partir en cacahuète. Je le vois arriver à 10 km, ça va partir en couille, les gars, personne n'est prêt. Hé, hey, Marshall. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. Calmement, sans heurts. Je pense que personne n'était prêt à cela. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez... Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Dieu, c'est toi? Sa voix résonne déjà, frère, on n'est pas dans l'église. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Oui, bonjour. C'est pour la livraison de courrier. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, restez ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors par contre, sa voix française, elle me rappelle quelque chose. Les mains bien en évidence. On dirait une voix dans Les Experts ou NCIS. La vérité, les gars, et sa voix française est vraiment propre. Dommage qu'il va pas survivre plus de 3 minutes. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Ok.
Dieu ne vous laisse. Ok, je peux plus bouger la caméra. Ok, c'est à moi de le faire, je crois. C'est à moi de le faire, je la sens pas. Ok, c'est bien, c'est bien ce que je pensais, c'est à moi de le faire. Je la sens pas, la vie de ma mère. Je lui passe pas les menottes, je lui passe pas, je l'ai dit les gars. On va attendre, je suis sûr. Je suis quasi sûr et certain, il y a un truc à la Far Cry 4. Je sais pas, hein, peut-être que ça va éviter que le Marshall meure, ou peut-être qu'à cause de ça, je vais avoir les forces policières contre moi. Je m'en fous, en tout cas, je lui passe pas. Non, quand un mec dans une église, torse nu, couvert de tatouages, avec un chapelet autour de la main gauche, commence à soulever tout le monde et à te parler en mode miskine, non, tu passes pas les menottes, je te laisse, tranquille. Eh, hey, moi, je suis venu au States, c'est juste pour les passe-poules, frère. Hein. Dieu nous observe. Oh oui. Et il te jugera en fonction de ce que tu choisiras. Et qu'il nous bénisse bien évidemment, et qu'il bénisse l'Amérique, étant donné que l'Amérique, je le rappelle, est sans doute le seul pays au monde apparemment pour les Américains. Non non non, mais je le laisse les gars. On va voir. Peut-être que ça fait rien. Peut-être que ça a passé en boucle. Je tente le tout pour le tout. Mais non. Putain, non non. Merde petit. Ah les gars, me mettez pas la pression, ok. Eh, je suis nouveau hein. Eh, moi je suis un bleu les gars hein, dans le milieu hein. Non, je lui passe pas les gars. Je lui passe pas. J'ai qu'une parole. J'ai dit que on va voir. Peut-être que ça a déclenché juste une autre cinématique. Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait être très cool. On va voir. Par contre, ça me paraît bien. Attendez, loin. Marshall. Ah. Ok. Parfois, il vaut mieux partir sans se retourner. Je veux bien. Je veux bien. Yes. Ok, on va voir ce que ça va changer. On s'en va. Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Shérif, revenez! Silence et écoutez-moi! Si vous tentez de l'arrêter, on va tous se faire descendre dans la minute. Je vais tous vous faire arrêter! On s'en va. Ok! C'est donc une nouvelle cinématique. What? On a terminé! Far Cry 5, j'espère que ce let's play vous a plu. Alors, pour vous donner un petit peu mon avis, bon, graphiquement, il était juste incroyable. Scénaristiquement, il était assez dingue. J'ai bien kiffé. J'ai passé vraiment un agréable moment. Le jeu, bon, assez court, on va pas se mentir. On n'a pas fait beaucoup d'épisodes, je trouve, pour un Far Cry. Mais en tout cas, encore une fois, c'est un bon Far Cry. Hein. Il suit bien la route. Vraiment incroyable. C'était un troll, mais c'était à peu près le même que Far Cry 4. J'ai tenté et ça fonctionne, impeccable, faut juste attendre moins longtemps. Nickel. Les gars, j'espère que cet épisode et ce let's play vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau let's play. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je compte sur vous évidemment. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Non, je déconne, je vous dis à demain pour vraiment commencer le jeu. Parce que là c'est compliqué.